E Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis le pasteur Yvon Mouquetou, pasteur associé à l'église à Suer lyon Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ce live où nous étudions ensemble la parole de Dieu et nous sommes sur le thème Dieu et les styles de musique. Je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient des commentaires, des encouragements. Que Dieu vous bénisse. Je vois que c'est un sujet qui, euh, qui est. Euh, comment dire, passionnant. Et nous allons donc poursuivre notre discussion, notre échange à ce sujet. Je vous invite à partager ce live autour de vous, inviter les personnes à se connecter et à vraiment recevoir la grâce de Dieu au travers de ces moments. L'équipe technique et moi-même sommes très heureux de vous servir. Amen, amen. Je vais prier quelques instants. Mon Père et mon Dieu, je te loue et je te rends grâce pour ta fidélité. Merci pour ces moments que tu nous donnes encore dans ta parole, dans ta présence. Viens nous éclairer, viens nous instruire et viens nous montrer ton cœur, viens toucher nos vies afin que nous puissions être ces adorateurs que tu recherches. Trouve en chacun de nous, Seigneur, ce cœur d'adorateur qui est bien disposé devant toi. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Allez, on partage un maximum, euh, surtout pour les chantres, hein, les personnes qui sont dans le ministère de la Louange, parce que c'est quand même euh, euh, les chantres qui sont les premiers concernés. Et euh, vous savez, moi, je me considère comme un adorateur de Dieu. Euh, J'ai exercé euh, en tant que chanteur, en tant que musicien, avant d'être pasteur, avant d'aspirer au ministère prophétique, avant d'aspirer au ministère apostolique. Euh, enfin, aspirer au ministère c'est à dire qu'on n'aspire pas au ministère hein, mais Dieu nous prépare ok et il nous dit des choses on aspire au don mais Dieu nous prépare pour un ministère qu'il a réservé pour nous donc euh, je me considère toujours comme un chantre un adorateur de Dieu comme euh, euh, alors euh, sur le plan séculier on va dire artiste Bon, le côté artistique je vais tout doucement je prends mon temps parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus orienté et focalisé sur le travail pastoral. Mais on avance et on rend gloire à Dieu. Alors on a commencé à, à voir pas mal de choses au sujet de Dieu et les styles musicaux. On a vu que dans la Bible, il n'y a pas un style musical qui est explicitement... Euh, mise en avant, qui est, qui est euh, euh, comment dire, recommandée, d'accord Donc, euh, il est difficile de pouvoir affirmer que tel style est de Dieu et tel style n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui, qui partagent cet avis. Et euh, il y a un livre notamment euh, qui m'a beaucoup inspiré, c'est « L'Église, une passion, une vision » de Rick Warren. Et il y a un chapitre où il parle de, euh, du style de musique, etc., et il va dire qu'on euh, ne peut pas juger des styles de musique. Euh, parce qu'il n'y a rien qui permette de juger objectivement. Un style de musique va dépendre de votre origine, de votre culture et de l'époque dans laquelle vous êtes. Vous comprenez euh, Parce que d'une époque à l'autre, d'une région à l'autre, les styles musicaux ont évolué, se sont développés, ont disparu, sont revenus, etc. etc. Donc, c'est difficile de dire que Dieu accepte uniquement ce style-là et refuse celui-là. C'est même de l'idolâtrie hein, de pouvoir attacher uniquement un seul style à Dieu, alors qu'on a vu, il dit, chanter au Seigneur un chant nouveau. Euh, et, et, et Dieu nous a créés avec la capacité d'innover innover dans les paroles, dans la mélodie, mais dans les styles également. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, on peut avoir un certain regard sur la musique des années 80, sur la, la musique des années 60 euh, et des années 1900. Ce n'est pas pareil, vous comprenez. Donc la technologie a évolué, les outils ont évolué, les modes de communication ont évolué et les expressions se servent, les expressions que euh, de musique pour Dieu utilisent les éléments de notre euh, environnement. Donc voilà quelques bases. On a, on a dit que... Euh, C'était important d'identifier les motivations qui avaient derrière un style, de pouvoir identifier euh, vers qui cette musique me tourne, quel est le chemin qu'elle ouvre en face de moi, dans quelle direction elle m'oriente, elle qu'est-ce que cette musique crée en moi, quelles sont les conséquences, quels sont les actes que cette musique m'amène à poser, euh, ou ce style, et puis bien sûr, quelles sont les conséquences pour mon intégrité euh, personnelle, physique. Okay voilà c'est quelques éléments qui permettent d'évaluer un certain style, d'accord Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder donc l'aspect vraiment du style de musique dans les églises et donc dans la vie du chrétien en particulier, euh, parce qu'on a notre vie privée et on a bien sûr la sphère collective. Euh, comment je loue Dieu en privé chez moi et comment je vais louer Dieu avec les frères et dans l'église euh, Ça demande quand même une certaine euh, maturité, parce qu'il y a des choses que je peux m'autoriser dans ma stricte intimité avec Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui a accès à, cette, à ce moment-là, comment je le loue, comment je l'adore, okay? et je ne suis un scandale pour personne. <laughs> vous vous rappelez l'histoire du roi David euh, qui, qui s'est découvert hein, un roi qui enlève ses vêtements et qui se met à louer Dieu, à danser. Et il a été un scandale pour Michal, qui était sa femme. Il dit, mais toi, tu es un roi, tu ne respectes pas ton rang. Comment tu peux danser de la sorte Et David va dire, mais euh, je suis nu devant Dieu. Ma vie n'est pas cachée devant lui. Donc, je n'ai aucun problème à me découvrir pour le louer dans, ma, dans la louange. Vous voyez que la liberté que vous pouvez prendre, pour louer Dieu quand vous êtes tout seul peut être, comment on appelle ça, choquant pour quelqu'un qui n'adhère pas à cela. Vous comprenez? Donc vous n'allez pas commencer à venir parce que vous faites des choses quand vous louez Dieu chez vous tout seul et vous voulez l'imposer aux gens dans la maison de Dieu. Sentez-vous libre, totalement libre, quand vous êtes tout seul chez vous. Maintenant, quand vous êtes en communauté, c'est important d'adapter un petit peu pour ne pas choquer les autres, être un, comment dire ça, être un encouragement, un modèle, mais pas un sujet de scandale. Donc, ça, c'est un premier point euh, que je voulais aborder ici. Euh, parlant de, euh, de, de style de musique, est-ce que vous savez qu'il y a un ancêtre des musiciens s'appelle Toubal euh, dans Genèse chapitre 4 on nous parle de lui, on dit que c'est l'ancêtre des instruments. Vous comprenez ça Il a créé un instrument avant et c'est comme ça que il a commencé, il y a, il y a eu cette expression musicale qui s'est mise en place, Genèse 4. Et c'est à la fin de Genèse 4 qu'on va dire, et ils ont recommencé à invoquer le Seigneur. Ça veut dire qu'ils avaient commencé une pratique musicale qui n'était pas strictement orientée vers Dieu. Et à partir du moment où ils ont commencé à orienter le Seigneur, ils ont eu cette liberté d'associer la musique qu'ils avaient commencé à pratiquer dans l'honneur et l'adoration qu'ils rendaient à Dieu. Je vais vous lire très rapidement hein, Genèse chapitre 4. Alors, Genèse chapitre 4. Verset 21, le nom de son frère était Jubal. J'avais dit Tubal, pardon. C'est Jubal. Il est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Voilà, l'ancêtre des musiciens, c'est lui. Et quand vous lisez après, verset 26, Seth eut aussi un fils, il appela du nom des noches. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, vous avez quelqu'un qui est l'ancêtre des musiciens, qui commence à exercer, exercer de la musique, et c'est après la naissance des noches qu'on commence à invoquer le Seigneur, qui a donc eu cette association. Donc, la musique, elle était faite sans une orientation vers Dieu. Bien aimé, c'est important de comprendre que c'est l'orientation que nous mettons dans la musique qui la rend sacrée ou qui la rend profane. C'est les paroles que nous mettons dans la musique qui la rende sacrée. Vous savez, il n'y a pas de musique chrétienne. Si vous écoutez une mélodie, d'accord, la mélodie n'est pas née de nouveau. Hein. Une mélodie, une succession de notes, une progression, euh, elle, 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 elle n'est pas, euh, comment dire ça Elle n'est pas orientée vers Dieu ou pas. C'est vous qui allez mettre quelque chose par dessus et qui allez donner une orientation. Ok Il faut qu'on comprenne bien que euh, ce sont les paroles et le, le cœur que nous mettons dans nos paroles qui vont donner l'orientation à une mélodie qui, elle, elle est neutre au départ. Vous savez, moi, je m'amuse parfois quand je vais dans les centres commerciaux ou même quand j'écoute la radio, quand j'écoute une mélodie qui me fait penser à un chant chrétien, et bien, moi, je mets les paroles chrétiennes dessus. Je m'amuse souvent à faire ces connexions-là. Et je me rappelle. Euh, euh, on était à, comment dire, euh, je travaillais encore en banque et on était en réunion, euh, c'était pas une réunion, c'était un, un truc euh, de récompense remise de prix, etc. Euh, et puis donc il y avait des musiques qui passaient un petit peu dynamiques et puis il y avait une, une collègue mais qui, qui était chrétienne aussi et puis il y avait une musique, une mélodie qui passait sans parole. Et moi donc comme elle était assise à côté de moi, je lui ai murmuré. Le chant chrétien qui allait avec cette mélodie. Ben, elle était pliée de rire. Il dit Mais comment tu arrives à faire ça J'ai dit bah, Écoute, c'est facile, je suis musicien, donc je peux identifier sur n'importe quelle mélodie euh, à quoi ça correspond et puis mettre, euh, mettre des paroles. Ou je peux aussi créer des paroles spontanément pour louer mon Dieu sur une mélodie. Alléluia. Vous comprenez que on ne doit pas laisser euh, un brevet musical au diable. Vous comprenez C'est Dieu qui est digne de louange, c'est Lui qui est digne d'adoration. Donc s'il y a une mélodie qui existe et que vous voulez exploiter pour la gloire de Dieu, faites-le. Alléluia, faites-le. <laughs> oh Donc aucun style n'est sacré en soi. C'est le message qu'on va mettre dans ce style. C'est l'intention de notre cœur. Ce sont les paroles qui vont rendre... Euh, le chant spirituel, le style spirituel. Ok, est-ce que vous êtes avec moi jusque là Alors, quand on parle de, de styles musicaux, tout ça, c'est pour nous permettre de louer Dieu et de l'adorer. Euh, on a vu dans le, 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 le premier, euh, la première session qu'on a faite que que tout ce qui respirent loue le Seigneur. Donc, il y a une invitation, ok, pour tous ceux qui respirent. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, tout ce qui est animé de la respiration peut louer le Seigneur. Donc vous imaginez bien que si Dieu reçoit la louange de tous ceux qui respirent, c'est des louanges différentes, des styles différents. D'accord Donc nous ne sommes pas obligés de louer Dieu dans le même style. Et nous ne pouvons pas nous prévaloir que notre style est meilleur que celui des autres. Vous comprenez Donc, c'est important de comprendre que chaque communauté va donc construire un style qui lui est propre, va le développer, va le faire valoir. Et euh, donc, la louange, elle est ouverte à tout le monde, dans tous les styles. L'adoration, c'est pareil, sauf qu'elle est ouverte, mais simplement, il y a une dimension supérieure dans l'adoration que l'on retrouve dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 va nous parler... Donc, de ce, cet échange qu'il y a eu entre Jésus et la femme samaritaine au bord d'un puits, d'accord Et leur échange va les amener à discuter de l'adoration, ok Et donc, dans Jean chapitre 4, le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça, c'est la femme samaritaine qui parle. Hein. Et vous, donc vous les juifs, vous, euh, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ah, quand on parle d'adoration, on n'est plus dans des considérations géographiques. On n'est plus dans des considérations physiques. On entre dans une considération spirituelle. Si vous êtes avec moi, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que vous adorerez le Père. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Là, on a une clé supplémentaire. L'adoration qu'on rend à Dieu, elle est liée à la connaissance que nous avons de lui. Et donc, la connaissance que tu as de Dieu va t'amener à l'adorer. Et cette adoration va être portée par ton cadre de référence, ta sensibilité émotionnelle. Okay? Mais là, c'est vraiment lié à la révélation, donc une connaissance que tu as de Dieu. Donc l'adoration c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Tu peux le louer parce que tu respires, mais tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas. Il faut le connaître pour l'adorer. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque là Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut pardon, que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la clé que nous allons voir maintenant. Dieu cherche les vrais adorateurs. L'adoration, ce n'est pas juste pour ceux qui respirent. Il faut connaître Dieu. Maintenant, quand tu connais Dieu, tu dois être un vrai adorateur. Et la vraie adoration, elle se fait en esprit et en vérité. En esprit, parce qu'on parle de choses spirituelles, parce que Dieu est esprit. Et ça n'a rien à voir avec des éléments extérieurs. Ça n'a rien à voir avec le style qui vient avec. C'est d'abord ton esprit qui rend un culte à Dieu. En esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc. Les choses de l'esprit, euh, ne... comment on appelle ça, quand, quand on les manifeste dans la sphère naturelle, d'accord, elles peuvent heurter notre sensibilité, elles peuvent choquer notre sensibilité. voyez Donc, il y a une dimension de l'esprit, notre esprit qui adore Dieu, on l'adore en esprit, on l'adore avec notre esprit, on l'adore sur une base strictement spirituelle. Et en vérité, parce que, eh bien, à l'extérieur, visiblement, il y a des postures qui accompagnent notre adoration. Il y a un style de vie qui, qui euh, correspond à l'adoration que nous rendons à Dieu. Vous comprenez ça Il y a une façon d'être qui correspond à notre adoration. Donc, ce n'est pas juste j'adore Dieu en esprit et en vérité, sur le plan pratique, on ne voit rien. Ma vie n'est pas. Euh, cohérente avec le Dieu que j'adore. Il y a une cohérence qui doit s'installer entre le Dieu que j'adore, moi et mon adoration. Dieu est saint, il est digne de louange et d'adoration. Il est grand. Donc, quand je me mets devant lui pour l'adorer, je réalise qui il est parce que je le connais. Je peux l'adorer et, et, et ce que je connais de Dieu va me va m'entraîner dans une posture d'adoration et une façon de vivre aussi. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là Donc, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est vraiment un côté spirituel et ensuite une démonstration cohérente à l'extérieur qui va donc associer notre adoration. Alors, vous allez avoir des gens qui vont dire que l'adoration, elle se fait. Quand on parle de l'adoration, on, on doit révérer Dieu et la révérence... Ça doit se faire dans le respect. Et qui dit respect dit grand calme, dit piété, dit euh, euh, recueillement pieux, dit silence. Bien aimé, ça aussi, c'est une conception qui n'est pas forcément vraie. Parce que vous savez, quand les anges adorent Dieu, est-ce que vous savez qu'ils crient Certains anges crient dans l'adoration. Au moment où nous nous pensons que l'adoration doit simplement être calme, doit se faire sur des rythmes lents. Qui a dit que c'est le rythme qui définit qu'on est dans l'adoration ou pas C'est pas d'abord la vitesse du chant qui détermine qu'on est en mode d'adoration. C'est l'expression de notre cœur, c'est la posture de notre cœur, et c'est ce que nous disons à Dieu qui constitue une adoration. C'est l'état de notre esprit, de notre cœur qui constitue une adoration. Tu peux exprimer une louange, mais tu peux aussi exprimer une adoration. Et cela dans un style qui t'est propre, dans, un, dans le style qui te convient le mieux. Est-ce que vous êtes avec moi Mais on ne peut pas condamner, vous savez, il y a des hommes euh, de grands ministères qui vont vous dire non, non, dans l'adoration, il ne faut pas qu'on entende la batterie, il euh, ne faut pas qu'on entende des instruments un peu trop bruyants. Mais ça, c'est lié à leur sensibilité. On ne peut pas en faire une généralité. Regardez, Ésaïe chapitre 6. Il y a des personnes qui ne supporteraient pas euh, d'être dans la présence de, de ces anges lorsqu'ils adorent. Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous savez, quand on est dans l'adoration, euh, est la, on, on est en face de la nature de Dieu. Quand on est dans la louange, on est plus en face des œuvres de Dieu, des actes qu'il a posés ou qu'il qu a, qu a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour nous. Mais dans l'adoration, c'est on est en face de la beauté de Dieu. On est en face de sa nature, de sa personnalité. Et on est ébloui par sa, sa gloire. Et à ce moment-là, on exprime notre adoration. Et c'est pas que dans un calme platonique, mais ça peut aussi être bruyant, rythmé, euh, comment on appelle ça L'apôtre a l'habitude de dire, il euh, euh, y a des personnes, quand vous priez trop fort, ils vous disent, euh, arrête de prier trop fort, Dieu n'est pas sourd. Et il répond, ben, euh, tu, euh, comment on appelle ça Arrête de parler trop doucement, il n'est pas dépressif non plus. <laughs> tu ne peux pas gêner ou étouffer Dieu. Par contre, tu peux gêner les gens qui t'entourent, mais Dieu, tu ne peux pas le gêner ni l'étouffer. Euh, par, par ce que tu exprimes comme louange. Est-ce que vous êtes avec moi jusque là Donc, c'est très important de comprendre que quand on parle de cantique spirituel, quand on parle de, ce n'est pas attaché à un style en particulier, mais c'est nous qui mettons l'intention, c'est nous qui mettons les paroles dans un style et en fonction de notre culture, nous allons donc rendre euh, l'adoration que Dieu mérite. Ok Donc, je reviens dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 4, où nous étions tout à l'heure. Donc, Dieu est esprit, donc ça c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on ne nous dit pas, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent que dans un style. On dit, il faut qu'ils l'adorent en esprit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de spirituel. Et en vérité, il faudrait qu'à l'extérieur, qu'il y ait une correspondance entre l'adorateur et le Dieu que tu adores et la façon dont tu l'adores. Il faut qu'il qu y ait une cohérence qui soit explicite. Ok Regardez, il y a très peu de choses que Dieu recherche. Mais la Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs, les vrais adorateurs. Ce sont les adorateurs que le Père demande, ce sont les adorateurs que le Père recherche. Okay? Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui sait que sa seule façon d'adorer ne peut pas être la façon ultime d'adorer Dieu. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui considère que l'autre aussi, dans sa spécificité, dans son originalité, peut adorer Dieu. Euh, vous savez, la, le, le style de musique que vous allez adopter va déterminer le type de personne que vous allez attirer, le type de personne que vous allez retenir et le type de personne que vous allez perdre. Le, le style de musique que vous choisissez va déterminer le type de personne que vous attirez, le type de personne que vous gardez et le type de personne que vous perdez. Il faut comprendre que dans une assemblée, okay, euh, si on interrogeait tout le monde sur les styles de musique qui leur correspondent, on aurait une, vraiment une grosse diversité. Et les gens restent dans une église parce que la musique, l'atmosphère, l'ambiance les correspond. Les gens viennent dans une église parce qu'ils sont attirés aussi par la musique. La musique est un vecteur très important. Il est attractif, il permet de retenir, mais aussi il peut être dissuasif, c'est-à-dire que si vous avez une musique trop euh, rythmée, trop dansante pour quelqu'un euh, qui n'est pas dans ce mood, hein, qui n'est pas dans ce mode de fonctionnement, il ne se sentira pas à l'aise parmi vous. Pas parce que votre adoration n'est pas euh, vraie, n'est pas sincère, n'est pas spirituelle, mais parce que l'enveloppe avec laquelle vous l'exprimez ne correspond pas. Donc, c'est pas tant que ça le fond, mais c'est la forme. Il faut comprendre que le style de musique que vous allez choisir est vraiment, euh, c'est d'abord une question de forme. C'est une question de forme. Mais le fond, il est spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi Le fond, il est spirituel. La gloire de Dieu qui se dégage, elle est spirituelle. L'onction qui se dégage, la joie qui se dégage, c'est quelque chose de spirituel. Okay? Donc, ne soyons pas bornés, ne soyons pas limités, soyons, euh, comment dire, ayons la maturité hein, de comprendre que euh, le style que nous allons choisir d'exprimer euh, euh, n'est pas le seul et l'unique et nous devons avoir la maturité de pouvoir accepter tous les styles. Euh, alors, on ne peut pas être, euh, avoir une, comment dire ça, euh, on ne peut pas faire tous les styles dans une église. OK Vous savez quand vous regardez les vous écoutez les radios, les différentes radios vont avoir des styles prédominants. Et c'est pareil pour les églises, et c'est pareil pour les individus. OK Vous allez avoir un style de musique prédominant que vous allez utiliser pour adorer votre Dieu, pour le célébrer et ça va déterminer l'impact que vous allez avoir. Sachez que le style de musique que vous choisissez va déterminer le type de personne que vous allez le plus atteindre et toucher. C'est un instrument. Comment dire ça C'est un outil puissant que Dieu nous donne. Okay? C'est un outil puissant que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes se sont tournées vers Dieu. Rien que grâce à l'atmosphère, la musique qu'il y avait. Je me rappelle de cette jeune sœur qui était venue à une répétition des chantres. Euh, le groupe musical, à l'époque, on était encore à Rennes et nous étions simplement en train d'adorer Dieu, nous étions en, en train de le, de le célébrer. La présence de Dieu était là et elle s'est mise à pleurer. Elle, elle, vraiment, elle a ressenti l'amour de Dieu et tout de suite, on a fait l'appel au salut et elle a donné son cœur à Jésus. Il n'y avait pas eu un message qui avait été prêché, mais simplement l'atmosphère, la gloire de Dieu qui était là parce que nous adorions Dieu en esprit et en vérité, bien mais une véritable adoration tourne toujours des cœurs vers Dieu. Un style qui est employé et qui ne tourne pas les cœurs vers Dieu euh, n'a pas rempli son objectif. Okay? La finalité, c'est que les cœurs se tournent vers Dieu. La finalité, c'est que les gens aient envie d'adorer Dieu, d'aimer ce Dieu-là, de le connaître, de le servir, de grandir dans ses voies de, de s'attacher à lui. Il faudrait que le style que vous choisissez ait cet impact. Et si vous choisissez un style qui ne produit pas cet impact, eh bien, il faut peut-être penser à réviser euh, votre style. Okay? Et ça, c'est le plus dur. Parce que quand on est déjà habitué, quand on est dans des, tradi des traditions, on a souvent du mal à, à pouvoir innover. Et pourtant, la Bible nous le demande. « Chantez au Seigneur un cantique nouveau » Chantez en son honneur, célébrez son nom. On a vu, je vais finir là-dessus. Je vais vous le relire. Le psaume 33. Dieu est un dieu créatif. Il est un dieu innovant. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange ci est aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. OK? Car la parole de l'éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Bien aimé, il y a des personnes qui sont à l'aise avec le rap, qui adorent Dieu avec le rap. Nous avons un artiste rappeur dans notre ministère, Tijan King, que je salue au passage, qui fait du rap. Mais c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui loue Dieu au travers du rap, qui adore son Dieu au travers du rap et qui permet à des gens de se tourner vers Dieu au travers de ce rap-là. Donc qui sommes-nous qui n'aimons pas strictement le rap pour juger, pour mépriser, pour condamner Alors je ne dis pas que vous devez maintenant prendre dans la louange, vous prenez que des chants de rap. Bon, vous allez avoir une église que de rappeurs. Hein Après, c'est vous qui assumez. Hein Mais c'est important de comprendre que nous devons adopter un style qui parle le plus aux catégories de personnes que Dieu voudrait que l'on puisse toucher. D'accord Et vous savez quoi C'est pourquoi il faut avoir une grande diversité dans le corps de Christ. Parce que euh, pour toucher toutes les catégories de personnes, il faut toutes les catégories d'Église possibles et il faut tous les styles possibles, inimaginables, pour que les âmes qui viennent au Seigneur, puissent se retrouver parmi nous, qu'ils ne soient pas mal à l'aise, parce que nous utilisons un style des années 1800 qui ne correspond plus du tout à ce qui se passe aujourd'hui dans notre environnement, dans notre euh, génération. Je prie vraiment que Dieu nous aide à être des vrais adorateurs, à être des personnes qui le louent correctement et qui, qui portons vraiment cette liberté dans la présence de Dieu. La Bible dit... Euh, euh, Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté, la liberté d'innover, la liberté de créer, la liberté d'accepter la diversité, la liberté de reconnaître que Dieu est très grand et digne de louange et qu'il n'y a pas un seul cadre qui permette de, de lui donner une louange qu'il va agréer, mais que tous les styles sont bons. Pour louer Dieu ne laissez pas le diable vous tromper ne laissez pas le diable vous enfermer renouvelez renouvelons notre intelligence pour donner à Dieu la meilleure louange que ce soit classique que ce soit traditionnel que ce soit peu importe le style mais louer Dieu adorer Dieu parce qu'il est digne de louange et d'adoration que Dieu vous bénisse je vous dis à très bientôt où nous aborderons un autre thème et je vous dis que Dieu vous bénisse ciao bye bye ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été béni. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple, vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à ce ou alors nous envoyer un mail à contact Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs avant de partir. Laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur Asuar, Dio.